Dans l'Antiquité, les acteurs de théâtre jouaient avec un masque, appelé en grec prosopon et en latin persona. La première fonction de ce masque était de faire porte-voix. L'acteur parlait au travers de son masque, persona. Le verbe latin personare signifie résonner, retentir. La seconde fonction du masque était d'indiquer le rôle que l'acteur jouait, plus exactement un caractère type, susceptible de se comporter d'une manière qui soit attendue par tous les spectateurs. Les historiens ont recensé 76 de ces masques caractères, dont 28 pour la seule tragédie. Dans le théâtre no qui s'est développé au Japon à partir du XIVe siècle, les acteurs portent également des masques spécifiant un personnage. Il en existe 138 différents. Dans notre vie de tous les jours, ne sommes-nous pas tous contraints par le jeu social à toutes sortes de rôles et donc à porter divers masques? Suivons une citoyenne d'aujourd'hui dans l'une de ses journées. C'est une femme d'âge mûr qui vit dans une métropole. Appelons-la Nadia. Nadia est réveillée avant la sonnerie du réveil. Cela n'arrive pas souvent. Elle contemple son compagnon, puis elle le caresse tout doucement. Il se réveille et ils partagent un moment de tendresse. Un peu de temps, soustraite à la trépidation ordinaire. Ensuite, Nadia se lève. Elle profite de ce que le réveil n'a toujours pas sonné pour consulter ses courriels. Elle est directrice artistique dans une agence de communication et son patron, comme leur client, ne se gêne pas pour lui envoyer des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le réveil sonne. La course commence pour Nadia. D'abord prendre sa douche, puis aller réveiller les enfants et surveiller qu'ils ne traînent pas à la salle de bain, prennent un petit déjeuner correct et surtout être présente un moment à leur côté. Dans le bus qui la conduit à son travail, Nadia lit sur son smartphone une page de blog dont une amie lui a envoyé le lien. Il y est question d'analyse transactionnelle et d'un certain Stephen Karpman qui a repéré que chacun d'entre nous s'inscrit dans l'un des trois grands registres victime, bourreau, sauveur. On parle de triangle de Karpman ou triangle dramatique. Ça lui parle. Son amie la connaît bien. Elle se sent bel et bien du genre sauveuse. Nadia arrive au travail. Une vraie petite ruche. Et des infographies vraiment belles qui s'affichent sur tous les murs et tous les écrans. Diplômée d'une école assez prestigieuse d'art graphique, elle est heureuse d'avoir pu intégrer cette équipe créative qui fonctionne plutôt bien. Le smartphone de Nadia sonne. Elle est en plein travail et en a par-dessus la tête de fonctionner sans cesse en multitâche. Qui est-ce? C'est sa mère. Elle prend donc le temps de la conversation. Et puis c'est agréable que votre maman se soucie de vous, d'autant qu'elle le fait avec tact et délicatesse.
Nadia est à l'hôpital. En salle d'attente, elle feuillette un magazine et tombe sur un article consacré à son signe astrologique qui dit que la femme bélier est intelligente, fonceuse et tranchante comme une épée. D'une assurance énorme, elle tient à son indépendance. Quand elle a un objectif, elle ne le lâche pas. Elle est une incroyable compétitrice et ne peut envisager de ne pas aller au bout de ses capacités. Nadia est plutôt réservée vis-à-vis de l'astrologie, mais force est de constater que tout cela correspond assez bien à sa personnalité. Nadia est maintenant dans le cabinet de son oncologue pour le suivi du traitement. Elle sait que dans les cas de cancer du sein comme le sien, le taux de survie est de l'ordre de 80%. Certes, c'est beaucoup, mais il reste toujours une sacrée part d'angoisse. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer les enfants et son compagnon continuer le chemin sans elle. Dans le bus qui la ramène au travail, il y a cet homme qui la fixe, le regard visiblement chargé de haine. Elle lui sourit malgré tout, en se disant intérieurement « C'est dingue qu'en 2022 il y ait encore des gens pour ne pas supporter qu'une Africaine soit habillée élégamment. Que peut-il bien se passer dans la tête de ces gens pleins de ressentiment ?» Pour ceux qui n'ont pas la peau blanche. Cela restera toujours un mystère. Nadia a terminé sa journée de travail, mais elle reste encore une bonne demi-heure sur son ordinateur à travailler un peu pour l'association humanitaire dont elle est membre actif. Vraiment un beau projet. Et si elle a la chance de vivre en Europe, elle garde dans son cœur les sœurs et les frères d'Afrique. Jeudi, c'est le jour du cours particulier chez sa prof de musique. Vu ses plannings insensés, Nadia avait un temps envisagé d'arrêter le piano. Mais non, ces moments où elle joue sont de véritables bulles d'oxygène dans sa vie. Et c'est vraiment trop précieux. Nadia termine le repas du soir avec les enfants et son homme. Il lui fait remarquer qu'elle a oublié de prendre son médicament. Ah oui, l'antidépresseur. Peut-être le signe qu'elle voudrait bien se passer de cette fichue molécule. Mais pour l'instant, elle en a besoin pour passer le cap. Faisons redéfiler la journée de Nadia. Il est maintenant 23h32. Nadia s'allonge. Elle se sent vraiment épuisée. La tension se relâchant, elle en a presque les larmes aux yeux. À dire vrai, elle ne sait plus trop qui elle est. Mais est-ce bien si étonnant? Thank you.
nous-mêmes, nous portons certains des masques de Nadia. Mais dans la vie sociale, il en existe quantité d'autres de ces masques, qui sont autant d'assignations. Si vous êtes grand-parent, il est probable que vous fassiez de votre mieux pour jouer le rôle que vous imaginez être le vôtre vis-à-vis de vos petits-enfants. Si vous êtes handicapé, sans doute vivez-vous des moments où, dans vos relations aux autres, vous aimeriez bien vous affranchir de cette étiquette. Le regard d'autrui est parfois bien pesant. Un ami psychotique, hélas aujourd'hui décédé, me disait régulièrement sa souffrance face au psychiatre, de se sentir déshumanisé en se voyant réduite au diagnostic de la schizophrénie. La vie est dure et rares sont ceux qui échappent au drame. Les blessures familiales peuvent marquer durablement votre personnalité. Par exemple, si vous êtes orphelin. Ou si votre famille est monoparentale. Ou encore si vous êtes veuve. Mais cette personnalité, c'est aussi une façon de vous protéger. Pour les croyants, il y a souvent dans la religion un fort sentiment d'appartenance au groupe. Appartenance qui conditionne, sans que les gens en soient nécessairement conscients, toutes sortes de manières de penser, de parler et de se comporter. À l'inverse, certains statuts contribuent au sentiment d'exclusion de la collectivité, par exemple celui de chômeur. Pour certains, c'est parfois aussi le cas au moment de partir à la retraite. Sans le masque lié à leur activité professionnelle, ils ont alors le sentiment de ne plus exister aux yeux de la société. Lié à la catégorie professionnelle, la classe sociale est pour bien des gens un masque déterminant. Si vous appartenez à la classe populaire, les besoins de reconnaissance et de sécurité sont plus difficiles à satisfaire. Au contraire, si vous appartenez à la classe supérieure, vous faites une certaine impression sur les autres. Mais au risque, aussi, d'être tellement dans la peau de votre personnage que vous vous identifiez à votre rôle. Par les masques que nous portons, nous signifions aux autres ce qu'ils peuvent attendre de nous, en quoi nous pouvons répondre à leurs demandes. C'est particulièrement le cas de l'orientation sexuelle. Un masque nous fait croire à notre individualité, alors qu'il est en partie modelé par la société. Pour certains, la nationalité constitue une carapace protectrice à laquelle ils s'identifient inconsciemment. Un masque déclenche instantanément toutes sortes de projections des autres sur nous. Imaginez-vous dans une fête avec des gens qui ne vous connaissent pas. Ils vont commencer à se construire une image de vous tout à fait différente, selon que vous leur direz pratiquer le rugby,
le tai chi chuan, ou la peinture sur soie. Tout ce qui relève des profils psychologiques compose également un masque. Malgré toute la richesse que l'on puisse trouver dans les descriptions de son énéatype, on peut aussi, à l'occasion, se sentir débordé de ce cadre. Nos masques révèlent aussi avec quoi nous saturons nos emplois du temps. Quand ils ne sont pas dans l'affairement, la plupart des gens basculent dans le divertissement. Et dans le peu de temps que la vie sociale laisse à leur intériorité, quand ils ne sont pas dans la préoccupation, ils tombent le plus souvent dans l'oubli d'eux-mêmes, des autres et du monde. Méditer, c'est ouvrir dans sa vie un espace libéré de toute assignation et affranchi de ses quatre fléaux. Ce que l'on est contribue plus au bonheur que ce que l'on a ou ce que l'on représente. Carl Gustav Jung avait lu Schopenhauer. Et sans doute cet aphorisme a-t-il contribué à l'élaboration de son concept de persona. Écoutons ce qu'il écrit dans Dialectique du moi et de l'inconscient. Comme son nom le dit, la persona n'est qu'un masque qui, à la fois, dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée et donne l'illusion de l'individualité. Un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que l'être en question est individuel, alors qu'au fond, il joue simplement un rôle. Il faut d'ailleurs bien se rendre compte, si l'on va au fond des choses, que la persona n'est qu'une formation de compromis entre l'individu et la société. En réponse à la question de savoir sous quel jour le premier doit apparaître au sein de la seconde. Un compromis à la constitution duquel d'autres participent souvent bien davantage que l'intéressé lui-même. Frida Fordham, dans son introduction à la psychologie de Jung, rappelle néanmoins que la persona est indispensable à la vie sociale. La persona, néanmoins, est une nécessité. C'est elle qui nous relie au monde. Elle simplifie nos contacts en indiquant ce que nous pouvons attendre d'autrui. Jung décrit ainsi cette attente.
La société attend et se doit d'attendre de chaque individu qu'il assume et joue de façon aussi parfaite que possible le rôle qui lui est imparti. Ainsi, par exemple, d'un individu qui est un pasteur. La société escompte qu'il soit à tout moment et en toutes circonstances impeccablement dans la peau du personnage du pasteur. La société exige cela comme une sorte de garantie et de sécurité. Le besoin de sécurité n'est d'ailleurs pas seulement du côté de la société, mais aussi chez l'individu. Guy Corneau, qui a débuté comme psychanalyste jungien, montre bien dans « Le meilleur de soi » comment le piège de la persona se construit dès l'enfance. En plus d'engendrer une couche protectrice, l'angoisse liée à la séparation d'avec la mère va stimuler chez l'enfant un besoin ardent d'exister dans les yeux des autres. Sous l'impact de la souffrance, il perd contact avec la réalité de son mouvement créateur et cherche maintenant la preuve de son existence dans le regard d'autrui, plutôt que dans la joie qu'il éprouve à manifester son essence créatrice. Devenant complètement dépendant de ceux et celles qui semblent répondre à ses besoins de reconnaissance et de sécurité, l'acteur disparaît peu à peu sous les masques du personnage. Mais ce jeu est dangereux. En nous identifiant à nos différents rôles, nous risquons, comme Nadia, de ne plus trop bien savoir qui nous sommes réellement. Comme le note Frida Fordham, il y a danger de vivre d'une façon contraire à notre nature véritable. Autre danger, une persona trop rigide signifie une dénégation trop complète du reste de la personnalité et de tous les aspects relégués dans l'inconscient. Dans Revivre, Guy Corneau montre bien le mécanisme d'enfermement et d'aliénation de la persona. Les attitudes défensives que nous mettons en place composent ce que nous pourrions appeler notre personnalité ou notre personnage. Ce personnage est une sorte d'armure psychique vivante qui nous protège de façon que nous ne soyons pas perturbés sans cesse par nos blessures fondamentales et les angoisses qu'elle cache. Ce mécanisme protecteur se compose d'un ensemble de façons de penser, de sentir et d'agir qui nous possèdent à notre insu. Nous croyons que ce personnage nous définit et nous résume. Mais cela n'est pas vrai. Il représente essentiellement une mesure d'adaptation. Dans un premier temps, cette carapace protectrice à laquelle nous nous identifions inconsciemment nous permet de survivre aux heurts et aux blessures. Dans un second temps, toutefois, elle nous étouffe. Le problème vient du fait qu'une telle carapace affaiblit nos capacités perceptives et sensitives.
si bien que la saveur même de la vie s'en trouve diluée. De la même manière, un vêtement épais nous sépare de notre environnement tout en nous en protégeant. Notre personnage protecteur s'oppose notamment à notre individualité créatrice qui veut s'ouvrir au mouvement de la vie et à sa constante nouveauté. Sur le chemin d'individuation défini par Jung, le premier cercle rencontré est celui de la persona, puisque c'est à elle que s'identifie le moi conscient. Mais ce masque social n'est que la face éclairée et visible de notre être. Dans sa contribution à l'ouvrage collectif « L'homme et ses symboles », dirigé par son maître C.G. Jung, Yolande Jacobi écrit « Le but de la persona est double. D'abord, de faire une certaine impression sur les autres. Ensuite, de dissimuler l'intériorité de l'individu à la curiosité d'autrui. Guy Corneau, qui était également méditant, souligne l'importance de la méditation. L'observation de soi qu'elle permet donne un recul qui aide à se détacher de la persona. Il est impératif de prendre le recul nécessaire pour commencer à se voir faire, comme on dit communément, pour constater l'existence de ce personnage grâce à une observation assidue de soi-même. On se rend compte alors que notre personnalité est bien souvent adaptée aux demandes des autres, mais fort mal adaptée à ce que nous sommes véritablement. Tout le monde a eu l'occasion de croiser l'une de ses mères, tellement identifiée à ce rôle maternel, qu'elle ne peut nouer de relation avec quiconque, enfant bien sûr, mais mari, parents et autres proches, que dans le registre de la maternation. Ou encore, vous connaissez peut-être quelqu'un d'habile de ses mains, bricoleur doué, qui ramène systématiquement la conversation au domaine du bricolage pour s'assurer ainsi d'être en position de dominer les autres par sa compétence. Réalisateur multimédia, mais informaticien de formation, j'ai eu de nombreuses occasions de croiser parmi mes pairs des informaticiens qui, jamais au grand jamais, ne s'aventuraient dans un autre sujet que l'informatique. Évidemment, nos talents et compétences sont précieux et il n'y a aucun problème à endosser, quand la situation le nécessite, le masque de la bonne mère, du bricoleur efficace ou de l'informaticien compétent. Mais ce ne sont pas tant nos masques, indispensables à la vie en société,
qui pose problème, que le rapport d'identification qu'à notre insu nous entretenons parfois avec eux. Mentionnons un dernier masque possible, tout à la fois paradoxal et pathétique. Quand une pseudo-spiritualité sert autant à se donner en représentation qu'à se dissimuler. Il est essentiel que la méditation et la spiritualité restent toujours une pratique et ne deviennent jamais une posture. Faute de quoi, il y aurait imposture. C'est toute la différence entre présence et représentation, voire ostentation. Et ne nous laissons pas abuser par l'apparence caricaturale du pseudo-gourou que j'ai choisi pour illustrer le propos. Le piège d'une spiritualité falsifiée, dévoyé, nous menace tous, moi le premier. Soyons donc vigilants à ne pas en faire un masque. Il est tellement facile de se raconter que l'on possède le troisième œil, alors que l'on est encore aveugle à tant de choses. Faire de la spiritualité un masque est absurde, puisque toute spiritualité authentique vise à faire tomber tout masque pour nous ouvrir à la dimension du plus vaste. Il ne s'agit en fait pas tant de condamner les masques que de ne plus nous y identifier. D'abord parce que tout masque est réducteur. La première vidéo de cette chaîne où je présente mes cheminements, même si tout y est sincère et authentique, c'est un masque qui, par définition, retire une part de la complexité de qui je suis. Ensuite et surtout, sous emprise d'un masque, nous sommes pris dans des automatismes de pensée, de parole et de comportement. C'est tout l'intérêt de la méditation que de nous faire déposer un moment nos masques pour observer, prendre du recul sur ces automatismes et revenir à la présence, à ce qui est. L'expression « présence nue » que l'on entend souvent dans les écoles de méditation est longtemps restée mystérieuse pour moi. C'est sans doute la raison pour laquelle j'éprouve le besoin de publier cette première vidéo didactique sur le thème des masques. Une première raison du caractère si précieux de la pratique quotidienne de la méditation. M'accorder chaque jour un moment pour déposer absolument tous les masques, pour cesser de me réfugier sous eux, et juste être qui je suis, là, maintenant. La présence nue est fragile. Nous avons une fâcheuse tendance à sans cesse nous réhabiller de pensées qui s'enchaînent comme des perles sur un collier. Les pensées tournent le plus souvent autour de moi, moi-même et encore moi, pour reprendre le néologisme parlant qu'a inventé Fabrice Midal. Le mental,
c'est principalement de l'ego. Quand le mental se réactive, c'est pour se raconter des histoires sur moi et ou sur les autres et à propos du passé ou du futur. Et dans ces histoires, je joue un rôle. J'ai donc pour cela repris une persona. La présence nue n'est qu'intermittente. Plus ou moins rapidement, une pensée survient qui, à défaut de vigilance et de rappel à soi, déclenche tout un fil d'associations d'idées, fil dans lequel il est souvent possible de voir un masque à l'œuvre. Et pourquoi pas, au moment du retour à la présence, noter mentalement quel masque j'avais remis, de quel personnage j'avais réendossé le costume durant le vagabondage mental qui vient de se terminer. Juste noter, sans commenter, et encore moins analyser. En méditation, il s'agit de voir, pas d'analyser. Chacune, chacun, nous avons eu l'occasion de ressentir ce que le jeu social peut avoir de factice. Par exemple, lors d'une réunion de famille ou d'une fête, un Noël, un mariage ou un réveillon. Ce sentiment de forcer, de fabriquer, que tout le monde y est pris dans un rôle attendu, mais sans présence authentique. Dans l'environnement professionnel, pareillement, rares sont les situations qui autorisent à être soi. Et si vous êtes hypersensible, il y a fort à parier que le jeu vain des masques vous soit plus qu'à d'autres insupportable. C'est toute la force du dispositif très rigoureux d'une retraite de silence vipassana que de donner aux retraitants l'occasion de faire l'expérience durant 10 jours d'une vie sans masque. En réalité, un peu moins de 10 jours, puisque la règle de silence est levée au cours de la matinée du 10e jour, de sorte qu'ensuite, entre les séances de méditation, le bal masqué reprend de plus belle. Le dispositif de la retraite vipassana, en garantissant la non-représentation, c'est-à-dire l'absence de spectateurs pour le cirque habituel de l'ego, nous oblige à faire l'expérience radicale de nous relier, si possible avec curiosité et tendresse, à ce que nous sommes quand nous renonçons à tous nos personnages. Au fronton du temple d'Apollon à Delphes était gravée la maxime « Connais-toi toi-même ». La méditation est sans doute la meilleure voie pour nous connaître véritablement. Dans l'immobilité du corps, nous observons chacun des mouvements de notre corps-esprit. Et persévérer dans une pratique soutenue développe en nous, au fil des mois et des années, une faculté d'observation de soi qui donne un recul sur qui nous sommes réellement.
et non plus qui nous voulons donner à voir par nos différents masques. Qui suis-je? Contrairement à la psychothérapie, la méditation ne vise pas du tout à répondre à cette interrogation. Sur le coussin, on renonce simplement à une quelconque réponse qui refermerait. L'ouverture est bien plus fertile. On laisse donc plutôt résonner la question. On la laisse œuvrer au fur et à mesure que tombent les masques. Laisser être. Juste être. Pour le dire autrement, la méditation nous invite à explorer qui nous sommes lorsque nous nous laissons être en dehors de toute représentation. Déposons nos carapaces, nos armures. Et retrouvons ainsi, comme l'écrit Guy Corneau, confiance et reliance. En remettant en question l'attachement au personnage, nous pouvons trouver un sentiment de confiance dans le simple fait de vivre et de sentir la vie en soi. Au lieu de se sentir divisé et séparé de tout, on peut s'appuyer sur la sensation interne de faire partie du tout et d'évoluer avec lui. Laissons à un grand poète le dernier mot. Qui suis-je? Il y a longtemps, j'approchais parfois quelques secondes ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis. Mais au moment de me découvrir, je m'effaçais et un trou se creusait. Et je tombais dedans, tout comme Alice. Thomas Tranströmer, Accords et traces.